Je ne sais pas pourquoi, chez nous en Algérie, aucune mayonnaise ne prend. Rien ne marche, rien ne tient, rien ne dure. Tout coule. Dans le monde entier, on dit, et c'est devenu proverbial, lorsqu'un peuple coule, quand il arrive au fond, il remonte. Nous, quand on arrive au fond, on creuse. Certains, pour expliquer cette situation, disent « Tout ce qui nous arrive, ça vient de l'arrêt des élections législatives en 1991. » D'autres, « Mais non, tout ça a commencé avec la révolte populaire du 5 octobre 1988. » D'autres encore, « Khalina Yaouldi, laisse tomber, tout ça c'est de la faute au président Boumediene et Chedli qui ont ni... Oh, pardon. Qui ont kiné le pays en verlan et à l'endroit. » D'autres encore, non, 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 tout ça a commencé en 1962, lorsqu'on a eu l'indépendance. On n'avait pas l'habitude. Ça faisait 3000 ans qu'on était colonisés, tout d'un coup on a eu l'indépendance, mais on n'avait pas le mode d'emploi qui allait avec. D'autres plus érudits, plus intelligents disent « Non, la genèse de tout ça remonte à 1926, lorsqu'il y a eu la création du mouvement nationaliste algérien. » C'était la première fois dans l'histoire où les Algériens voulaient s'unir. Mais comme disait Ibn Khaldoun, le grand historien, sociologue du Moyen-Âge maghrébin, les Arabes se sont entendus pour ne pas s'entendre. Nous, jusque-là, jusqu'en 1926, tant qu'on ne s'entendait pas, on s'entendait très très bien. Mais dès qu'on a voulu s'organiser pour s'entendre, on ne s'entendait plus. Alors ils racontent ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Ce soir, je vais vous dire la vérité crue et nette. Eh bien, tout ça n'a commencé ni en 1991, 88, 62 ou 1926. Ça a toujours été comme ça. Depuis la nuit des temps, parce que nous sommes un peuple trop nerveux, on n'arrive à rien faire sur la longueur. Soit on se contente de rien, ou on veut tout, tout de suite. Chez nous, lorsqu'un type plante un clou, quand il arrive au milieu, je m'ennuie. Évidemment, les hommes de science disent « Les êtres humains n'étaient pas là à l'époque des dinosaures. » Oui, c'est vrai, les êtres humains n'étaient pas là à l'époque des dinosaures, mais nos ancêtres, les berbères, si. Ils étaient là, bien avant les dinosaures et bien avant Adam et Ève. D'ailleurs, le jour où Adam et Ève, ils étaient en train de manger la pomme, il y a un de nos ancêtres qui est arrivé en courant, « Lâche la pomme, zinana, dina !» C'est ta mère qui a planté le pommier. Si tu veux manger des pommes, tu plantes toi aussi. Aïe, dégueu. Attends. Même la feuille de vigne, là, c'est à moi, tu me l'as piqué ici. Donne-moi ça ici. Mais vraiment, on ne respecte plus la propriété, hein. Elle est trop petite. Tiens, garde-la, mais ne recommence pas. Dégueu. Mais bien avant les dinosaures et bien avant Adam et Ève, remontant au tout début, commençant depuis le commencement, bien avant la vie, avant le temps et avant l'espace, comme vous le savez, il n'y avait rien. C'était le néant, c'était le grand Wallou. Et puis un jour, il y a eu le fameux Big Bang et l'univers a explosé et ça a formé des milliards de soleils, de planètes, d'étoiles et de galaxies. Petit à petit, en quelques millions d'années, tous les éléments chimiques qui composaient l'univers se sont mélangés pour donner le début de la vie. L'azote s'est mélangé avec l'ammoniac avec l'oxygène avec le gaz carbonique avec la harissa. Et petit à petit, au fond des océans, des marécages et des rivières, des petites larves microscopiques sont nées. Elles étaient toutes destinées à devenir, quelques milliards d'années après, le règne animal, végétal et humain. Toutes ces petites larves-là
Elles étaient tranquilles, elles attendaient l'évolution, elles attendaient Darwin. Mais les larves qui étaient programmées pour devenir nos ancêtres les berbères, déjà là, en tant que larves, elles étaient là. Je vais rester 3 milliards d'années pour devenir un berbère, un kiné. Moi, je veux tout de suite, moi. Nadine Darwin. Il y a 5 ou 6 000 ans, la civilisation moderne est née dans le bassin méditerranéen. La civilisation s'est installée partout sur le bassin méditerranéen. Et dès qu'elle est arrivée chez nous, elle a sauté, la civilisation. Il y avait la civilisation assyrienne, la Mésopotamie, Babylone, Nabucodonosor, l'écriture cunéiforme, la civilisation égyptienne, les pharaons, les pyramides, les hiéroglyphes, l'architecture, la sculpture. Les Grecs, ils ont inventé l'astronomie, les mathématiques, la littérature, la philosophie, le théâtre, la poésie, la démocratie. Et chez nous, wallou. D'ailleurs, nos ancêtres, ils allaient se mettre sur la frontière berbéro-égyptienne et ils disaient au pharaon « Belek dinimek !» Attention, votre civilisation est rentrée ici chez nous. On est allergique, nous connaît. Les pyramides, ça nous renerve, hnaïa. S'il y a un mètre de pyramide qui rentre chez nous, qui passe la frontière, on vous coule. Le Parlement grec, un jour, s'est réuni. Ils avaient lu le rapport sur le peuple berbère, un rapport qui avait été fait par différents explorateurs grecs, comme Hérodote et bien d'autres, qui sont allés étudier tous les peuples de la Méditerranée. Quand le Parlement grec a lu le rapport sur le peuple berbère, nerveux et belliqueux, ils ont décidé une chose, ils sont allés voir Hercule, ils lui ont dit « Écoute, tu as déjà fait trop de travaux comme ça, tu te fatigues pour rien du tout, tu as mieux à faire. » Ils l'ont emmené dans le détroit de Gibraltar, ils l'ont placé au milieu pour empêcher, en cas de dérive des continents, l'Afrique du Nord de toucher l'Europe. Ah bah 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 bah. Cela, s'il nous colle, il nous coule. D'ailleurs, vous connaissez tous l'histoire de Ulysse et de ses marins. On raconte qu'un jour, il se bouchait les oreilles pour ne pas entendre le chant ensorceleur et magique des sirènes qui essayaient de les attirer dans leur grotte. On vient de découvrir que c'est complètement faux. C'était pas le chant des sirènes, c'était les you-you des femmes berbères. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Pendant une dizaine d'années à peu près, dans l'histoire, à un moment donné, en Berbérie centrale, c'est-à-dire l'Algérie d'aujourd'hui, les femmes, elles sont restées toutes seules pendant 10 ans. 10 ans, tous les hommes sont partis couler Carthage. Ils sont partis en mission. Et les femmes, elles étaient là. Et un jour, elles voient passer le bateau de Ulysse et de ses marins. Et les femmes, elles ont vu ça. Ouais, yeah! Des hommes, Mergazen. Venez ici, Matimako, venez là. Eskoulen, venez ici. Aya Faroja, le grand blanc, là, tu me le laisses pour moi, s'il te plaît. Il a un œil. Ulysse, quand il a vu ça, aïe, ah, celle-là, si elle m'attrape, il n'en restera pas pour Pénélope. Les Phéniciens, ils ont inventé le début du capitalisme mondial. Ils sillonnaient toute la Méditerranée et partout, ils installaient des comptoirs, des petits ports commerciaux, civilisationnels et culturels. Alors, quand ils venaient chez nous, à l'époque, ils venaient sur des galères. Vous connaissez les galères? À peu près comme celles qu'on mène nous ici en France. Sauf que les Phéniciens, des fois, ils arrivent. Ils venaient des côtes syriennes, 4000 km, et quand ils arrivaient chez nous, ils rentraient dans les criques et dans les plages, ils sortaient avec de magnifiques cadeaux, et ils disaient à nos ancêtres « Salut au peuple d'ici, nous sommes venus de la Phénicie pour faire des échanges commerciaux, civilisationnels et culturels avec vous, et nos ancêtres les berbères, là-haut sur les falaises. » Qu'est-ce qui sic? Ta-na-na-na. Qu'est-ce qui sic? Ouais, c'est fax. Je t'arrête, le dégueu, le dégueu. Dégage! Full casse, bis, dis coup.
Ça, c'est du berbère classique, hein, littéraire. Alors, les Phéniciens, on les a sortis. Les Romains sont venus. Les Romains, on les a rendus fous. Ils sont restés 600 ans chez nous, ils n'ont pas pu s'implanter. Les Romains, comme vous le savez, c'était le grand empire. Ils avaient la moitié du monde sous leurs bottes. 500 000 guerriers romains partaient à la conquête de la Berbérie. Avant de partir, ils saluent l'empereur. Avec ses armes, moriturites et salutantes. Ceux qui vont mourir te saluent, ils partaient. Ils rentraient par la Berbérie orientale, c'est-à-dire la Tunisie d'aujourd'hui. Mais là-bas, comme c'est plat, c'est la plaine. Les gens, ils sont tranquilles, pas de problème. Bienvenue, marhababikoum, on s'en fout, on mélange tout ça et puis il n'y a pas de problème. Mais dès que les hauts plateaux et les montagnes algériennes commencent à pousser, il y a la courbe, l'organigramme des nerfs qui pousse avec. Pendant 25 jours, les Romains, ils sillonnent toute la Berbérie centrale. Personne. Rien. Pas âme qui vive. Pas un souffle. Même pas la photo d'un berbère. C'est ça les fameux guerriers berbères, nerveux et belliqueux, mais c'est des lâches. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nos ancêtres, les guerriers berbères, comme ils ont la même couleur que le sol, ils sont ocre. D'ailleurs, on a l'impression que c'est le sol qui se continue comme ça. Ah, des fois, tu passes à côté d'un rocher et le rocher, il te dit « Et alors, tu dis pas salam alaikum, toi ?» Comme ils ont la même couleur que le sol, des centaines de milliers de guerriers berbères sont tous couchés par terre. C'était le début du camouflage moderne. Les berbères, ils ont juste la peau, le système nerveux et les os. Pas d'intermédiaire. Pas de surplus. Et ils sont tous couchés par terre et les Romains leur marchent dessus. Avec les chars, les chevaux et tout ça. Mais les berbères, pour eux, c'est de la kinésithérapie. Vas-y, vas-y, fais-moi passer la roue par là. J'ai mal au dos. Et au moment où les Romains s'y attendent le moins, tout d'un coup la terre se met à trembler, les rochers explosent et des centaines de milliers de guerriers berbères foncent sur l'armée romaine. Les Romains, ils sont tous bien organisés, ils ont leur stratégie, ils ont les chevaux d'un côté, la cavalerie de l'autre, les officiers, la carte géographique, les berbères, l'anarchie totale, le whisky. En avant, à l'attaque! Ils parlaient déjà français avant les Français. J'ai rien compris. Les Romains étaient tous bien armés, ils avaient des lances, des épées, des boucliers, des casques, les catapultes, les chars, les guerriers berbères, que des armes écologiques. Les tire-boulettes. Ils jetaient de l'huile kabyle, zitlaqvaïl, sur les routes. Et les Romains, ils glissaient, ils n'arrivaient plus à avancer. Et en plus de ça, ils mangeaient du benjoin, le hentif, et ils pétaient sur les Romains. C'était les premières armes bactériologiques. À la chimie, ils attaquent les berbères. Les Romains sont tombés comme des mouches. Des fois, pendant les batailles, il y avait un énorme guerrier romain comme ça qui se bat contre un guerrier berbère. Le guerrier berbère, il est tellement maigre, 17 kilos à l'ombre. Il est tellement maigre, le Romain, pendant 20 minutes, il le vise. Il n'arrive pas à le toucher. Le guerrier berbère, il est en face de lui. Vas-y, frappe, ouais, vas-y. Vas-y, ouais, aïe. Et hop, raté. Et à un moment donné, le Romain, il voit plus le berbère. Oh! Mais c'est de la magie, c'est de la sorcellerie, il a disparu. Mais le guerrier berbère, il est collé à l'épée. Et ça lui fait de la ventilation. Et quand le Romain remet l'épée dans le fourreau, il fait la sieste à l'intérieur. À l'époque, comme vous le savez, toutes les batailles s'arrêtaient au crépuscule et elles reprenaient à l'aube. Dès que la nuit tombait, les deux armées se séparent. Les Romains, ils rentraient chez eux dans les campements, dans les tentes. Ils vont enfin se reposer. Ils n'en peuvent plus, la chaleur, les mouches, les guerriers berbères. Et juste au moment où ils s'allongent, il y a les guerriers berbères qui reviennent avec les enfants, les chèvres, la smala, les casseroles, les marmites, les marmites.
Ils se mettent sur la colline qui domine le campement des Romains et toute la nuit... Bladinim, comme vous n'allez pas dormir. C'est de l'attaque psychologique. Les Romains, toute la nuit. Ah, merdoum. Qu'est-ce que c'est que ce peuple? Ils ne mangent pas, ils dorment pas. Ils font la guerre et en plus ils font la fête. Alors ils disent, ça y est, c'est fini, on s'en va. Alors les Romains, on les a sortis. Les Vandales sont venus, on les a sortis. Les Byzantins sont venus, on les a sortis. Les Arabes sont venus, on les a... Les Arabes... Les Arabes, Hachawana. Les Arabes, ils nous ont eus. Comme ils ont la même couleur que nous, on ne les a pas vus venir. Et ils se sont mélangés avec nous jusqu'à maintenant, petit à petit, jusqu'à maintenant où on ne sait plus qui c'est eux et qui c'est nous. Quelques siècles après, les Portugais sont venus. On les a sortis. Les Espagnols sont venus, on les a sortis. Les Anglais, ils allaient venir. Ah, ils sont pas venus. Les Turcs sont venus, on les a sortis. Les Français sont venus, on les a sortis. On s'excuse. Hein. Vous avez exagéré, c'est trop bizarre. Si vous avez été gentil juste un peu, il y avait de la place pour tout le monde. Alors, quand on a sorti les Français, on attendait qui c'est qui va venir. Il n'y a personne qui vient. Mais on va s'ennuyer. Vous nous avez habitués depuis des siècles et maintenant vous nous laissez comme des orphelins. Aïe, ah, venez coloniser un peu, au moins pour l'ambiance. Alors de temps en temps, il y a un colonisateur qui passe à l'horizon. On lui dit, aïe, viens. Aïe, n'est pas parente, aïe, aïe. Aïe, si Dieu n'a rien vu, rentre, vas-y. Et les autres nous disent, ah ouais, ça y est, c'est fini, on vous connaît. Alors on est resté tout seul, entre nous. Nous, dans nous. Hna fi hna. Et ça n'a pas duré longtemps. Au bout de quelques mois, de quelques années, on ne pouvait plus se supporter. Ta-na-na. Toujours la même chose. Que des Algériens partout en Algérie, Nadina. Tu regardes à droite, Mohamed, les moustaches. Tu regardes à gauche, Mohamed, les moustaches. Tu te regardes toi-même, Mohamed, les moustaches. C'est la consanguinité des moustacheux. Même les bébés, ils ont des moustacheux. Eh bien, puisque c'est comme ça, plus personne ne vient. Pour l'ambiance, eh bien, on va se sortir nous-mêmes. On va s'auto-sortir. Allez, dégage, n'aille, Waldik. Fous le camp, mes crayons, y'a qu'à faire à poster n'aille, bouc. La preuve. Vous êtes tous là, les gars. Tu as réussi à passer, toi. D'ailleurs, à partir du premier balcon, c'est tous des clandestins. Hein. Et si ça continue comme ça, si ça continue comme ça, il ne restera plus un seul Algérien en Algérie. Ils seront tous en France. 30 millions d'Algériens en France. Vous allez gagner au loto. On va couler la France. On va ramener tout notre savoir-faire. La haute technicité. Le désert, clé en main.
On va s'intégrer par la désertification, Hnaya. Déjà, nous, les Arabes, on n'aime pas les arbres. Ça nous empêche de regarder loin pour discuter. Alors, et même les nuages, ils ne nous aiment pas. Il pleut rarement chez nous. À ce moment-là, quand on sera tous ici en France, les nuages, ils vont passer au-dessus. Et juste au moment où ils vont lâcher la pluie, ils regardent en bas, des Arabes. Et ils vont lâcher la pluie en Allemagne, dans le nord. Et alors, petit à petit, ici en France, ça va être le désert. Ça va vous changer un peu. De Dunkerque jusqu'à Tamanrasset, le grand Erg central. Et à ce moment-là, de temps en temps, vous allez voir au hasard, comme ça, Maurice, sur son chameau. Il vient de l'oasis de Sidi Germain-des-Brés. Et il va faire son souk à Bab el-Montreuil. Salam alaikum, Bernard. Ah oui, il faut s'y mettre, hein. Vous, au moins, vous êtes prévenus les premiers. Demain, les cours d'arabe. Les Kabyles, ils vont envahir la Bretagne. Chez leurs cousins bretons, là-bas, c'est la famille, y a pas de problème. Les Oranais, ils vont occuper la Bourgogne. Ils aiment bien le pécho. Et la Tour Eiffel ici à Paris, ça va devenir un HLM. 7200 Algériens vont habiter dedans. Ça va être un bidonville. Les cartons, la tôle, Algérien TV, le Kachman Shouragda. Ya Mohamed! 14 baguettes, hein, tu montes 14 baguettes. Mohamed, arwa. Il y a des touristes japonais, ramène la poubelle. Jib la poubelle avec, jib la... Ah! On va déjaponiser la Tour Eiffel. Et la Seine, ça va devenir un Oued. Oued al-Harraj. Ça va être tellement dégueulasse, tu peux marcher sur l'eau. Ce sera la promenade des Arabes. Ça n'a pas l'air que ça... Ah, ça va, ça va, ça va. Et 5 fois par jour, là-haut sur la Tour Eiffel, Allahu Akbar Allah. Alors les Français, ils ne pourront plus nous supporter. Déjà, un Algérien, c'est le seuil de tolérance. Un, difficilement, mais ça fait rien. Mais 30 millions, les gremlins. Alors les Français, vous devez tous quitter le pays, partir ailleurs, changer de pays. Parce que nous, pour nous sortir, tu attrapes un oranais, tu le tires, il emmène la Bourgogne avec lui. Alors les Français, vous devez tous quitter le pays, aller ailleurs dans tous les pays du monde. Mais comme vous le savez, en l'an 2000, il y a trop de monde. Tous les pays du monde sont occupés. Et tout d'un coup, mais il y a un pays juste en bas. Il est immense, il est vide, et en plus on le connaît. Pas de problème d'adaptation. Et hop, 60 millions de Français vont tous aller en Algérie. Et pendant que nous, on continue à couler la France, eux, ils vont développer l'Algérie. Nadine, comment ils ont fait? Pourtant, Zaman, on a essayé, nous. Et c'est vrai, nous, on n'a pas de chance. Et hop, les boat people vers l'Algérie. Alors à ce moment-là, de temps en temps, vous allez voir à Alger, à la rue Babazoun, par exemple, à 11h du soir, un Algérien qui rase les murs. Un clandestin. Il travaille au noir chez Joseph. Et tout d'un coup, il y a un fourgon de CRS qui arrive. Qu'est-ce que tu fais chez toi? Viens ici, retourne chez toi en France, bougnoul. Mais ça a déjà commencé. Ça a commencé en 91, le lendemain du premier tour des élections législatives. Le lendemain, les Algériens, quand ils ont vu le fils arriver partout en majorité dans tout le pays, tous les Algériens voulaient se tirer de là-bas, même ceux qui avaient voté fils. On a voté pour déconner, c'est devenu vrai, Nadine.
Et en plus de ça, c'est les autres qui nous ont habitués. Depuis 30 ans. Chaque fois qu'on met un bulletin dans l'urne, c'est le contraire qui sort. Alors nous, on croyait qu'on était malins. Le lendemain du premier tour des élections législatives en 91, tous les consulats du monde entier qui étaient installés en Algérie étaient envahis de centaines de milliers de personnes, même le consulat du Rwanda. Depuis 1962, ils n'ont pas délivré un seul visa, et tout d'un coup, 80 000 Algériens. Aïe, monsieur le consul, aïe, Parkane, aïe, donne-moi un visa, aïe, Khalina, tranquille. Aïe, monsieur le consul, après tout, nous sommes tous des Africains. Aïe, monsieur le consul, moi, tu peux pas me refuser, j'ai une cousine Tutsi. Mais le consulat le plus prisé, le plus aimé, le plus apprécié, évidemment, c'est le consulat de nos cousins français. Bladini Makoum, on vous lâche pas. On vous aime. Là où vous irez, nous irerons. Nous sommes liés. Même si vous, vous croyez que vous n'êtes pas liés à nous, nous, on sait qu'on est liés à vous. Le consulat de France était envahi de centaines de milliers de personnes. La rue était noire de monde. Il y avait des gens accrochés aux barreaux des fenêtres. Il y en a qui essayaient d'entrer par la cheminée. Le consul de France, un soir, il est rentré chez lui, claqué, épuisé, n'en pouvait plus. Il a signé 20 000 visas. Il en a refusé 90 000. Il est rentré chez lui, il s'est reposé un peu, puis il est allé aux toilettes. Il a juste ouvert la porte des toilettes. Ah! Il y avait 12 passeports qui sont sortis de la cuvette de toilette. Aïe, monsieur le consul. Aïe, parkana. Aïe, donne-moi un visa. Aïe, khalem ce matin. Aïe, tahbi le visa, donc. Tu tombes avec le visa maintenant. Aïe, parkana. Aïe, tahbi. Aïe, monsieur le consul. Après tout, maintenant, on est dans ton intimité. C'est la famille, ça y est, khalas. Aïe, monsieur le consul, tu me donnes un visa d'un jour et moi, je me débrouille après. Aïe, tu me laisses juste rentrer ce pied en France et celui-là, il va faire le regroupement familial. Moi, j'ai fait la queue là-bas pendant 7 jours et 7 nuits. C'était la cour des miracles. C'était la folie totale. On dormait là-bas, on mangeait là-bas, là-bas. Il y avait de tout. Il y avait des grands, des gros, des vieux, des vieilles. Il y avait même des bébés avec les poussettes qui venaient chercher des visas. Il y avait même des intégristes qui voulaient quitter le pays alors qu'ils avaient gagné les élections, mais ils préféraient partir parce qu'ils trouvaient que même pour eux, l'intégrisme algérien est trop dur à porter. Il y avait des militaires, il y avait des gendarmes, il y avait des policiers, des médecins, des poètes, des journalistes. Il y avait des voleurs, des espions, toutes sortes de gens. Il y avait même des vaches algériennes qui voulaient venir en France. Il y en avait deux qui faisaient la queue. Il y en a une qui a dit à l'autre, « Yem haïne qu'en France, les vaches, elles mangent du mouton. C'est des bgarheblého. » Et puis, il y avait des gens qui étaient là. Ils n'avaient pas besoin de visa pour le moment, mais ils aiment la queue. Ils ne peuvent pas s'en passer. Pendant 30 ans, sous la règne socialiste, entre guillemets, comme il n'y avait jamais rien, il n'y avait jamais de produit, on faisait la queue pour n'importe quoi toute la journée, tout le temps, eh ben, c'est devenu un conditionnement. C'est comme le chien de Pavlov, dès qu'on voit une queue. Moi, je me souviens de cette époque, c'était terrible. Dans la rue, il ne fallait jamais s'arrêter de marcher. Dès que tu sors de chez toi, il faut que tu rentres quelque part. Tu sors de quelque part, tu vas nulle part. Les gens se croisent et s'entrecroisent, mais jamais ne s'arrêtent dans la rue. Parce que si jamais tu t'arrêtes dans la rue, il y a 50 personnes qui viennent derrière toi. Un jour, il y a eu un bruit qui a couru, comme quoi il y avait une rumeur qui courait. Et la rumeur, elle disait qu'il semblerait qu'on ait entendu dire qu'il y avait un produit nouveau qui venait d'arriver dans une boutique à Bab El Oued, un quartier d'Alger. Et comme il n'y avait jamais rien, tout est nouveau et tout est vital. Et donc à 1h du matin déjà, le premier client était arrivé là, 1h du matin. À côté de la boutique, la porte elle est là et lui il est là. Comme ça, il va être le premier à l'ouverture le matin. Et toute la nuit, des gens venaient, ils étaient près de 900 à faire la queue aussi toute la nuit. Et vers 9h du matin, il y en a un qui arrive, et au lieu d'aller derrière, comme tout le monde, le respect de la queue, c'est normal dans un pays où la queue est une institution, une culture. Il y a des normes, il y a des clauses, il y a des lois, il y a un code de déontologie de la queue.
Non, le monsieur, non. Il vient directement devant. Et le type qui était là depuis une heure du matin, lui fait... Enlevez-le, je vais le tuer. En plus de ça, le type là qui est venu là, c'est un... Comment vous le décrire? C'est un cocolo, c'est un... C'est un être inhumain, Dax, tu vois. Quand il est né, c'était écrit sur lui à suivre. Il était même pas fini. Il s'appelait Hussein et dans son quartier, on le surnommait H2O. Il avait juste deux os, un omoplate et un fémur. Alors le type, il fait... Où tu vas, Nadine? Va derrière. Et les 900 qui étaient derrière, là, il l'attrapait tous, il le jetait en arrière. Il arrive complètement derrière, il revient une deuxième fois, il voulait rentrer. Et le type, il fait, Wakela, toi, tu veux pas comprendre, hein? Nadine, paf! Fait tous les 900 qui étaient là, paf, paf, il le rejette de nouveau en arrière. Et là, H2O revient une troisième fois, furieux, et il leur dit, eh ben, puisque c'est comme ça, blar, bis, ouvre pas le magasin. Moi, j'avais fait la queue là-bas 7 jours et 7 nuits. Le premier jour déjà, tout le monde se connaissait dans la queue. Vous savez, la familiarité algérienne, la tsara, on est des Méditerranéens, on se parle beaucoup, on parle beaucoup, et en plus de ça, nous avons beaucoup de problèmes. Ce qui fait chaque fois qu'on croise quelqu'un, on essaie de lui refiler quelques problèmes avec Dakpour. Et puis on se donne des conseils, on se passe des tuyaux, je te passe un tuyau, tu me passes un tuyau. Il y en a même qui se sont mariés dans la queue le premier jour. Et ils ont ramené un orchestre shabi, on a fait la fête toute la nuit là-bas dans la queue. Et il y avait un gars devant nous. Lui, il ne parlait à personne. Rien. Wallo, 7 jours et 7 nuits. C'est le genre, tu vois, haddi ou haddik ma ta'arfni ma na'arfak. Je te connais pas, tu me connais pas, chacun son espace. Et pour que personne ne l'approche ni ne le touche, il s'est parfumé à la bombe lacrymogène. Et c'est un titi algérois. Arabek, c'est le... Ou le bled, oh. C'est l'extraction de Babelwed. Babelwed, c'est lui. Tu vois, c'est le type, dans la journée, toute la journée, quand il marche, toute la journée, avec, il se surveille, avec, tu vois. Tout est sous contrôle, mon frère. C'est l'ordinateur de lui-même. Quand il passe dans la rue, c'est un événement politique. Oh. Et chaque fois qu'il passe devant la vitrine d'un magasin, raf, et il se fait une auto-analyse. Ça a cher. Tu n'as pas changé, hein, Nadine? Tu le meurs, là, il n'y a aucun qui t'arrive à la cheville, Nadine. Alors, je t'aime, Nadine. Il n'a dit celui qui t'aime pas. Voilà, si je pouvais rentrer dans le miroir, je t'aurais épousé. Oh. In vitro. Allez, salut. À la prochaine boutique. Hein. Et chaque fois qu'il croise quelqu'un dans la rue qu'il connaît, Sahaho. Salut mon frère, ça va. La famille, ça va bien. Le grand-père, il est pas trop pourri, ça va, je suis à ma avec bien. Il avait un costume tellement droit, tellement bien repassé. Il le met pas, le costume. Il monte sur une échelle, il y a une grue, il rentre dedans tout droit. Comme dans un moule. Comme ça, il est toujours droit à la balque, tu vois. Même si lui, il est fatigué, il y a le costume qui le remet en place. Il avait des chaussures jaunes, brillantes, tichalouagda. Il avait un nœud papillon, une valise diplomatique et un brushing dans ses cheveux.
Il a mis 5 jours de travail chez le coiffeur pour le faire le brushing haddock. Ce n'est pas un brushing, c'est de la soudure à l'arc. Mais ça, c'est normal, hein? C'est normal. Vous savez que le cheveu algérien, il est récalcitrant. C'est un révolté qui m'a c'est un révolté comme... Toujours debout, alors, jamais... On a reçoit le nichino. C'est... Il est très nerveux, qui m'a Même le peigne, il ne supporte pas. Le mstadik, le peigne, dès qu'il arrive, ne me touche pas, ne me touche pas, bimma. C'est un cheveu anti-brosse. Quand tu passes la brosse, il s'aplatit, dès que la brosse arrive derrière, le cheveu raaaaaa. Moi, je me souviens quand on était adolescent à Alger, on allait prendre des photos dans les premiers photomatons qui étaient arrivés à Alger. On était 400 jeunes, on faisait la queue pour aller prendre des photos. C'est-à-dire, on allait prendre des photos comme ça, on les envoie à nos copines. On n'en avait pas, mais on en voyait quand même. C'est-à-dire, c'est comme une bouteille à la mer, quoi, tu vois. On met la photo dans une enveloppe et on écrit au hasard, Fatima, champ de manœuvre, tu la postes et tu attends. Toi, tu te reposes et le destin, il travaille. Alors donc, dès qu'on arrive là-bas dans les photomatons, et là, il faut bien suivre parce que c'est scientifique, comme nous, on a tous les cheveux secs. Hacha les mestels, hein? Comme on a tous les cheveux secs, on a tous une bouteille d'eau à la main. Comme ça, dès qu'on arrive là-bas pour prendre la photo, on se mouille les cheveux. Bien, comme ça, Zama, après on prend les photos, Zama, les cheveux lisses, Zama, les cheveux lisses et brillants, Agda. Comme ça, la fille, quand elle voit la photo. Hey, mais il a les cheveux lisses. Ah oui, parce que le critère de beauté chez nous, c'est les cheveux lisses. Même si le type, il ressemble à un poulpe. S'il a les cheveux lisses, yay, ma qu'est-ce qu'il est boule carnet en terre, miskin. Yay, ma qu'est-ce qu'il est beau, mon poulpe, moi, mais ton taquille en terre, miskin. Yay, ma. Alors donc, dès qu'on arrive au photomaton, le principe, c'est que juste avant de prendre la photo, on se mouille les cheveux. Mais il faut faire attention, parce que des fois, il fait tellement chaud. L'Algérie, c'est un immense séchoir, hein. Eh oui, des fois, par exemple, au mois d'août, on ne peut pas prendre de photos. Eh oui, parce qu'au moment où tu vas te mouiller les cheveux, l'eau, elle s'évapore avant de toucher. C'est pour rien. C'est pour ça que les photos maintenant, ils sont fermés au mois d'août. Alors donc, dès qu'on arrive là-bas, il faut faire très attention. On prépare la pièce de 5 dinars, on la met dans la fente, et on prépare la bouteille d'eau comme ça. Et il faut faire très très vite, hein. Il faut jeter la pièce tout de suite et on se mouille les cheveux. Parce que des fois, il fait tellement chaud, la première photo, elle arrive, schlac, ça va. Mais avant que la deuxième n'arrive, les cheveux, ils s'impatientent. Ce qui fait que les photos, quand elles sortent, le type, il prend ses photos comme ça. Oh! C'est quoi, ça? Bon, le premier là en bas, c'est moi. Et les trois autres, c'est qui? Alors, le type là, Le titi algérois, Adak, lui, il avait un brushing magnifique comme ça. Il ne parlait à personne. Wallou. 7 jours et 7 nuits, rien du tout. Sauf de temps en temps, quand on le bouscule. Parce que des fois, il y a une poussée démographique. Ah oui, oui. Des fois, le dernier de la queue, là, il s'impatiente, il pousse tout le monde et tout le monde s'en va. Et lui, dès qu'on le bouscule, il se met à hurler. Oh, yal khawash, bimma, comme doucement. Oh! Mais vous n'êtes pas dans un café ici, Nadena. Mais c'est l'ambassade du consulat de la France générale. Mais soyez un peu civilisationnés, Nadena. Et à les Français qui vous regardent, je bim mako. C'est vous qui avez fait la guerre, vous avez sorti les Français. Toz. Et retoz. Mais vous n'avez aucun dignitisme. Il y a les Français qui sont derrière les fenêtres du consulat, ils sont là-bas et ils vous tudient. Ils vous tudient avec l'horoscope, Hadak. Espèce de microbe. Et à un moment donné, il a insulté tout le monde, on l'a bousculé.
Et là, il y avait un jeune qui était derrière lui, il lui a dit « Aïe, ferme ta gueule, ta yoche, bim, doucement !» Depuis 7 jours, tu nous casses les pieds, ta-ta-ta. Descends un peu, sois normal, sois populaire comme tout le monde, Nadina. Et le type, il lui fait « Ah, tu me parles pas comme ça. Tu me parles pas comme ça, tu ne sais pas qui je suis-je. » Et le jeune, il lui a fait « Qui tu suis-je ? Tu crois qu'il y a que toi qui suis-je ? » Mais on est tous des suis-je. Moi aussi, je suis un suis-je. Qu'est-ce que tu crois-je? Même هذاك اللي راه يطيب المرقز راه يشويج. Et ça, malheureusement, c'est intraduisible en français. Allez, marche. Je te suis-je. Alors, 2 jours après, quand on est arrivé à l'intérieur du consulat, tout le paquet, on était nous, il y avait le suis-je. Dès que son tour est arrivé, ils l'ont appelé, il s'est présenté avec un dossier, 4 kilos de papier, il l'a glissé à l'intérieur du guichet, là, et puis l'a préposé au visa derrière, l'a attrapé le dossier, elle est partie vers le bureau des visas, ric-tac, ric-tac. Y en a qui viennent que pour ça. Oh là! Dès qu'il voit ça, aïe, même à la France, elle a commencé. Il y en a 90 fois, on leur a refusé le visa, il revient quand même. Mon visa, il est refusé. Merci, madame. Alors, à demain. Alors, la bonne femme, elle a pris le dossier, elle est partie. Ric-tac, ric-tac. C'est une vieille, mais chez nous, elle est encore valable. Hein? Et le type, il attendait, là, le suisse, il attendait comme ça, le retour. Et tout d'un coup, il a vu une caméra de surveillance vidéo en face de lui. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire, elle est arrivée. La bonne femme, elle revient avec le dossier. Elle lui glisse le dossier, elle lui redonne. Monsieur, nous sommes désolés, mais votre demande de visa est refusée. Madame la France. Je ne comprends pas du tout ce refusement. Mon dossier, il est impossible, tu penses le contraire. De la chose telle qu'il est écrit avec le stylo sur la page. Je suis un Algérien, démocratique et populaire, et oui, loyal. J'ai demandé un petit visa de 36 mois pour aller visiter le museau du lièvre à Barbès ce soir. Et tu me refuses? Pourquoi cette refusation? Pourquoi ce refusage? Écoutez, votre demande de visa est refusée. Veuillez sortir, il y a déjà assez de monde comme ça. Ah, tu me parles pas comme ça. Tu me parles pas comme ça, Yarbak. Tu me parles pas comme ça, Yarbak. Je suis un Algérien, j'ai les nerfs qui sont couchés, tu vas les réveiller. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas faire la loi dans le pays des Arabes à Poitiers? Eh bien, puisque c'est comme ça, le visa il tombe tout de suite. Direct. Tout de suite, je ferme les yeux, je les ouvre, je le vois le visa. Il pousse. Il tombe du ciel ou de la terre et tout de suite je le vois. Mais vraiment, madame, avec vous, il n'y a même pas un coin où un oiseau il peut faire la sieste, hein? Et puis d'abord, je veux parler directement avec monsieur le consul général. Je ne veux pas parler avec ses sous-titres. Vous l'aurez voulu. Messieurs les agents, les agents sont arrivés, ils lui ont sauté dessus, il s'est débattu comme un fou, son brushing est tombé, le nœud papillon s'est envolé, la valise diplomatique s'est ouverte, il y avait 14 sandwichs merguez. Et lui, il se battait avec eux, il nous criait à nous, il nous disait « Ils ne vont pas faire la loi ici chez nous, on va tout casser, aux armes citoyens !» Formez vos bataillons.
Alors nous, on l'a regardé comme ça, et on lui a dit, ah ouais, hein. Tout à l'heure, c'était « Je suis-je ?» Et maintenant, « Tu nous sommes ». Eh ben, tiens. Oh, pardon. Tiens. Alors, les agents l'ont dégagé de là. Et quand mon tour à moi est arrivé, on m'a donné un visa. Le lendemain, j'ai pris l'avion, Air Algérie. 3 jours après, je suis arrivé à Orly. Ah ben oui, Air Algérie. Ah, Air Algérie. Des fois, il s'arrête là-haut et il la répare. Et ça marche! Alors moi, quand je suis arrivé à Orly, dès que je suis sorti de la frontière, le premier Français que j'ai rencontré, je lui ai dit, « Excusez-moi, monsieur, vous savez pas où je peux trouver une boîte de nuit? La boîte de guerre? Enfin, une discothèque, quoi. » C'est normal, hein? 40 ans de frustration. Et je ne vous comptabilise pas les frustrations ataviques de mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Il m'a dit, il y a une boîte de nuit juste au bout de la rue. J'y suis allé. Je suis rentré dans la boîte de nuit. Aïe, maï, 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 maï. Jamais j'ai vu ça de ma vie, c'était magnifique. C'était extraordinaire, jamais j'aurais pu imaginer ça. C'est pas comme chez nous en Algérie. Quand vous rentrez dans une boîte de nuit, vous trouvez 220 bonhommes avec des moustaches comme ça. Et c'est tous des espions. Dès que vous vous levez pour danser, vous faites ça, il y a 220 rapports qui vont au ministère de l'Intérieur. Alors moi je me suis promené comme ça pendant 2 heures. Au milieu de toute cette merveille, et 2 heures après, tout d'un coup, je me suis retourné comme ça, et j'ai vu une carte de résidence aux yeux bleus. Oh, hop, ah, pardon, oh, pardon. Excusez-moi, une fille aux yeux bleus, je voulais dire, excusez-moi. Oh là là, oh. Excusez-moi, j'ai fait un clapsus. C'est un clapsus révélateur. C'était la seule fille qui était toute seule dans toute la boîte. Et pour vérifier qu'elle était vraiment toute seule avant de l'aborder, je me suis mis comme ça derrière une colonne en marbre et je l'ai gabrée. J'ai fait 1 heure de gabration intensive. La gabration, pour ceux qui ne parlent pas l'arabe, c'est à peu près. Hein. La traduction à peu près, c'est la captation avec les yeux. Regarde. C'est Internet. www, tu me plais. C'est Babel Website, voilà. Et oui, parce que ces choses-là, chez nous, l'amour, les femmes et tout ça, c'est interdit, on ne parle jamais de ça. C'est la chouma. C'est walou, il ne faut pas jamais parler de ça. Ce qui fait que tout ce qu'on ne dit pas là, ça sort... Nous sommes très bavards des yeux. Moi, j'ai vu à Paris, hein, j'ai vu quand je suis arrivé, tous les peuples du monde, ils rentrent en métro, par exemple, tous les peuples, il n'y a pas de problème. Hein. Il y en a un qui rentre avec sa copine, l'autre avec une guitare, l'autre un journal, un livre. Il n'y a que nous, les Algériens. C'est des scanners. Alors donc moi, j'ai gabré comme ça pendant 1 heure. Et 1 heure après, quand j'ai vu que la fille était vraiment toute seule, alors là, je lui ai dit dans ma tête, « N'aie pas peur, tu ne seras plus jamais seule dans la vie sur cette terre. Je suis ton prince charmant, ton chamelier ardent.
Je suis venu de Babeloued sur mon chameau. Je vais t'emmener chez moi en Algérie. Je vais t'épouser. Je vais te mettre un hijab. Je te mets chez ma mère. Et tu seras casé pour la vie. Ce sera la case de l'oncle Momo. Et après, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis avancé vers elle et je lui ai dit « Salut, jolie Candy !» Ah oui, c'est encore un tube chez nous. Mais Inch'Allah, on va changer en 2010. C'est à Orly que commence mes vacances à Paris. Je l'ai invitée à danser, elle a accepté et on a attaqué un slow. Un slow algérien. J'ai nettoyé la boîte. Tout le monde est parti. Pourtant, il y avait une bonne ambiance. Il n'y a que la fille qui est restée parce qu'elle était en admiration devant moi. Et après, on a dansé tous les deux. Et c'était magnifique. Et puis après, on s'est retrouvés joue contre joue. Et c'était le plus beau jour de ma vie. C'était le premier jour de ma vie. J'étais sur une autre planète et tout d'un coup, elle m'a dit « Tu es doux ?» Je lui ai dit « Oui, je sais. » Je veux dire « Tu viens d'où ?» Tu viens de quel pays ? Pourquoi ? Tu veux gâcher la soirée ? Non, mais vraiment, j'aimerais bien le savoir. Ça peut pas attendre une petite semaine? Je pourrais te le téléphoner? Allez, s'il te plaît, dis-le. C'est si important pour toi? Oui. D'accord. Je vais te le dire. Je... Allez, devine. Tu viens d'Espagne? Enfin, c'est pas très loin. Italiano? No, exactamente. Tu es juif? C'est des cousins. Non, mais vraiment, je ne vois pas. Allez, s'il te plaît, dis-le-moi. Tu prends tes responsabilités? Oui. D'accord. Nadina. Il y a 3 milliards de pays dans le monde. Et moi, le bon Dieu, il m'a vissé juste là-bas. Je suis algérien. Algérien. C'est rien. Algérie. Pourquoi c'est grave? Mais tu sais, ça se soigne, hein? Elle a fondu dans mes bras. J'ai essayé de la rattraper, j'arrivais pas. Je l'ai coulée. Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire autobiographique d'un copain.
Mon copain s'appelait Mohamed, comme moi, comme l'autre copain aussi. De toute façon, on s'appelle tous Mohamed. Hein. Et bientôt, vous aussi. Mais on va vous aider, hein, ne vous inquiétez pas. On est là pour ça. Mohamed, c'était un hétiste. Un hétiste en français, c'est un muriste. C'est tous les jeunes chômeurs d'Algérie qui sont collés au mur toute la journée. Et au bout d'un moment, ils ont pris le nom du mur, quoi. Et on les appelle les hétistes. Parce qu'en arabe, le mur se dit hét. H-I-2-T. Ah oui, parce qu'il faut 2-T en français pour faire un ta en arabe. Hét. Répétez après moi, hét. Eh bien, c'est très bien, c'est votre première leçon d'arabe. Ça marche. C'est très bien. Allez, les Algériens, vous applaudissez les Français, ils ont fait des efforts. Aïe, aïe, aïe. Bien. Donc, le hétaïsme, c'est la nouvelle philosophie algérienne. C'est tous les jeunes qui sont mûrs pour le hét. C'est tous les jeunes qui sortent des universités, hétaïstes, quatrième degré, et qui vont rejoindre les murs quand il y a de la place. Mais Mohamed, lui, c'est l'un des membres fondateurs du hétaïsme. Il était docteur en hétologie. Il était numéro un au hét parade. Depuis des années et des années, il est là avec ses copains, des centaines et des centaines de hétistes. Ils sont collés au mur. Et du matin jusqu'au soir, ils la regardent passer la vie. Des fois, le soir, le mur, il rentre chez lui et eux, ils sont encore là. Mais Mohamed voulait partir là-bas du pays, quitter le pays, aller ailleurs, mais n'importe où, mais plus jamais l'Algérie. Les problèmes de chômage, il n'a jamais travaillé de sa vie. Les problèmes de logement, ils sont 25 à la maison, dans un deux pièces, alors lui, il traîne jour et nuit, dehors, il habite dans ses vêtements. Il avait un F1. Il ne pouvait même pas déménager. L'ennui, la violence, mais surtout, surtout les problèmes les plus douloureux, les plus graves, les plus terrifiants, c'est les problèmes... Comment on appelle ça déjà, Herbie? J'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Et c'est vrai que le français, c'est seulement ma troisième langue maternelle, hein, c'est normal. Comment on appelle ça, ces problèmes-là? On pense qu'à ça, toute la nuit, on ne dort pas, après on est mec. Normalement, vous étiez en France avant moi, vous devez connaître. Il y a Mohamed Freud, il en a parlé beaucoup. Je crois que c'est les problèmes textuels, non? Ou sextuels, je ne sais plus comment on dit. Comme vous le savez, les mots disparaissent avec la disparition de la fonction. Alors Mohamed n'en pouvant plus, un jour, il s'est débrouillé un visa, il a quitté le pays, l'avion d'Air Algérie a raté la France et il s'est retrouvé en Suisse. Non mais franchement, la Suisse, un Algérien en Suisse. Mais c'est de la torture. Les Algériens, l'énergie, les nerfs et tout ça, la vitalité, ça, ah, ouais, ça, ça va, ça, ça va, 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 et les Suisses, ils sont là. Quand tu lui dis bonjour, quoi? Pourquoi il m'agresse, lui? C'est vrai, c'est nul. La Suisse est nulle. L'ennui. Il y a toujours tout. C'est bien qu'il y ait tout, mais là, il y a trop tout. Il y a des limites. Et puis, c'est trop propre. Même le nez, il faut qu'il travaille un peu. C'est trop. Tu trouves même pas un microbe pour discuter un peu, Chouyag.
Et les Suisses, ils sont là, il y a toujours tout, tout est réglé, tout est normal. Ils rentrent dans un magasin, vous avez des... Oui, oh... Toujours il y a. Il arrive chez lui tristement, et quand il appuie sur l'ascenseur, ça marche. Il rentre chez lui à la maison, il prend le téléphone, il y a la tonalité. Il ouvre le robinet, il y a de l'eau. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Jamais de surprise, jamais d'aventure. C'est pas comme chez nous. Ah, baba! Nous, on n'a rien, mais on s'ennuie pas. Nous, déjà, le jour de notre naissance, le jour où on naît, déjà, nous, on ne naît pas. Nous, on nous arrache. Rah! Allez, va jouer dehors, aïe. Et des fois, au moment de l'arrachement, il y a le fœtus qui dit « Attendez, il me reste encore 3 mois d'incubation. Tu vas incuber dehors. » Allez, hein, monsieur? Allez, 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 sortez-le. Il y en a d'autres qui arrivent. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. En avant, accouche-t-il. Vas-y, vas-y, vas-y. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 en avant. Celle-là, tu lui mets un hijab, mets-la de côté. Et on traverse la vie dans la violence et la virulence et on ne s'ennuie jamais. Non, mais franchement, la Suisse. Moi, je suis resté 3 jours en Suisse. Un jour, j'étais dans un parc, j'allais manger un sandwich. J'ai juste porté le sandwich à ma bouche, j'ai appuyé dessus. Il y a une miette de pain qui s'est détachée. J'allais manger et je vois devant moi une plaque. Il est interdit de faire tomber des miettes quand vous mangez un sandwich. Heureusement, c'est une miette suisse. Elle est tombée doucement. Si c'était un sandwich algérien, tu appuies dessus, il y a une merguez qui sort. Elle fait un trou dans le goudron. Elle mange le trottoir. Un jour, j'ai vu une merguez pleine de harissa courir derrière un client. Alors moi, tout de suite, j'ai rattrapé la miette avant qu'elle ne touche le sol. Je l'ai mise dans ma poche. Ah, bah, on ne sait jamais. S'il y a un fourgon de police qui passe par là, déjà, nous, les Algériens, comme ça, on est coupables. Nous ne sommes pas seulement coupables, nous sommes des pièces à conviction. Alors, mon copain Mohamed, lui, il est arrivé là-bas en Suisse. Il est resté 2 ans et demi. Il travaillait dans une cave, dans un atelier clandestin, au noir, dans le noir, en broyant du noir. Il mangeait là, il dormait là, il ne sortait jamais. Mais dans sa tête, il se disait, un jour, je vais rencontrer une Suissesse, je vais l'épouser, je vais faire mes papiers en Suisse, et adieu les chorotos. Et un jour, il a pris son courage à deux mains, il est sorti, il a rasé les murs d'une avenue de Genève. Heureusement que son dos, il connaît bien les murs. Il a trouvé un mur très sympathique, qui n'est pas xénophobe. Il s'est appuyé là, et c'était un endroit stratégique. Il a scanné la rue. Il a réglé son regard, la puissance, la densité, la longitude, latitude, E égale MC2. Opération Gabration 1. Il est resté là pendant un bon moment, Wallou. Et soudain coup, ne voilà-t-il pas? Elle est bien celle-là, ne voilà-t-il pas? C'est joli, hein? Ça, c'est du français, c'est encore. C'est la meilleure phrase de mon texte, c'est génial. Oh là, même les Français, ils ne parlent plus comme ça, ça. Oh là! Ne voilà-t-il pas? Moi, quand je la dis comme ça, j'ai l'impression que je suis intégré. Oh là, même vous, vous devez l'utiliser, hein? Ah, car ben, ça peut servir. Ça. Surtout pour les gens de chez nous. Ah, car parle ça. On ne sait jamais. Des fois, vous marchez dans la rue, quelqu'un vous dit « Hé, sale arabe, ne voilà-t-il pas ?» Et le type. Alors donc, soudain coup, ne voilà-t-il pas qu'une Suisse arriva avec un T. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Mohamed Rik, Rik, Rik. Elle est rentrée dans le rayon de son regard, Mohamed Raf. Il l'a foudroyée du regard et la fille, paf, elle est tombée dans les pommes. Il a aidé la fille à se relever. La fille, elle a repris connaissance. Mohamed, il en a profité pour faire connaissance. Ils ont sympathisé. Ils se sont revus le lendemain, le surlendemain, puis tous les jours, et petit à petit, ils se sont aimés. Enfin, Mohamed, il l'a aimé tout de suite, direct. Nous, on aime vite. Dès qu'elle est tombée, il lui a dit, « Je t'aime, toi, la femme. Allah, il t'a faxé pour moi. » Alors, petit à petit, ils se sont aimés. C'est beau, hein? C'est magnifique, l'amour, c'est extraordinaire. Dans le monde entier, les hommes et les femmes, ils sont ensemble, ils sont imbriqués ensemble, ils créent ensemble, ils font tout ensemble. Roméo, Juliette et tout ça, il n'y a que nous. Là, ça nous gêne, l'amour. On n'aime pas ça. Aïma, qu'est-ce qu'il c'est que l'amour? Enlève-moi ça, Aïma, la tête. Malédiction. Chez nous, par exemple, une fille, elle rentre chez elle à la maison, elle dit à son papa, « Papa, tu sais, j'ai rencontré un garçon et je l'aime. » Non, d'une beuve. Saloperite. Demain, tu épouses ton cousin. Et il ne faut pas l'aimer. C'est vrai, dans le monde entier, les hommes et les femmes sont ensemble. Dieu, il a fait descendre l'homme et la femme ensemble, et nous, on les a séparés. Et c'est de là que vient tout notre malheur à nous. Chacun est dans son monde, on ne communique pas, alors on est malheureux, on n'est pas bien. Nous sommes chacun de nous que la moitié de soi et l'autre moitié de l'autre côté. Ce qui fait qu'il y a la moitié qui manque. La moitié pour faire le machin, là. Les Legos. On est 1 milliard sur Terre, il y a 500 millions de femmes, elles sont à la maison. 500 millions d'hommes, on traîne toute la journée dans toutes les rues de toutes nos villes. On traîne toute la journée. On traîne. Même si le type travaille, il préfère traîner, c'est mieux. C'est mieux. De toute façon, je ne suis pas heureux. À quoi ça sert que je travaille? Mais si tu ne travailles pas, on va couler. Mais ça fait longtemps qu'on a coulé, nous. Tu crois qu'ils m'ont attendu, moi, pour couler? Alors on traîne comme ça, et comme on n'est pas heureux, on mange mal, on n'a pas d'appétit, parce qu'on n'est jamais à la maison. On entre rapidement et on sort rapidement, parce que l'intérieur, c'est le monde des femmes. Alors on traîne comme ça. Et on est maigre, on n'est pas bien, tout ça, il y a les omoplates qui sortent comme ça. Des fois, tu dis à quelqu'un, tu viens manger? Ah ouais, j'ai mangé une olive ce matin, alhamdoulilah, ça va. Alors on traîne toute la journée, c'est un projet de société. C'est quoi ton projet de société? Eh ben, je vais aller là-bas. Et qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Eh ben, c'est pour revenir, j'bim. Et les femmes, toute la journée, elles sont là aux fenêtres, et elles regardent les hommes errer à la recherche de la femme qui est en eux. Moi, j'ai un copain à Alger, il a 35 ans. La seule chose qu'il connaît de l'amour et des femmes, il l'a appris dans les romans Harlequin. Il en a lu 2 253 000 exemplaires. Il m'a marre de à faire ça. Et un jour, à 35 ans, il a connu une fille. Il l'aimait à la folie, et elle aussi. Mais chacun le savait pour soi, mais il ne savait pas si c'était alternatif. Ils se promenaient tous les deux une fois par semaine. La fille, elle attendait toujours que lui lui déclare son amour. Mais lui, il est très fort en théorie, mais la pratique, zéro. Et en plus de ça, il est très timide. La seule chose qu'il arrive à dire de temps en temps, c'est « Malika, tu veux un bonbon ?» Et puis c'est tout. Et au bout de 6 mois, la fille, elle n'en pouvait plus. Un jour, ils avaient rendez-vous le lendemain, et la veille, elle a dit « Blahara !»« Wah, karab !» Demain, si je ne règle pas ce problème, avec ce coco-là, alors là, je ne m'appelle pas Malika, mais je m'appelle Malika. Ça fait 6 mois que je mijote. Et ce bourricot-là, il veut même pas goûter un petit peu chouïa. Espèce de saloperie. Alors demain, si je ne règle pas ce problème, ou le meuf et moi, l'eau, tout ça, demain, si je ne règle pas ce problème, voilà. Alors là, je ne m'appelle pas Nkili, mais je suis Malik. J'arrache mon nom, je le jette à la poubelle. Qui c'est Malika, on ne la connaît pas. Alors le lendemain, ils avaient rendez-vous. À la rue d'Isly, c'était au printemps, le magnifique printemps d'Alger qui vous brûle la peau.
et ils étaient beaux comme des dieux. Ils ont remonté tous les deux la rue d'Isley. La rue d'Isley, avec ses amandiers en fleurs, ses rhododendrons, ses fuchsias et ses cerisiers, et ses rosiers, le casino, Tao, et son opéra. Comme ça, les Français, ils vont penser que c'est vrai. Sûr. Comme ça, ils vont y aller. Alors, donc, ils se promenaient comme ça, et la fille, à chaque fois, elle lui faisait des allusions pour qu'il lui déclare son amour, mais lui, il comprenait rien. À chaque fois, il lui envoie un boomerang qui ne revenait jamais. Et à un moment donné, elle n'en pouvait plus, la fille, excédée. Elle lui dit, Mohamed, s'il te plaît, regarde-moi là, arrête-toi, regarde-moi dans les yeux, j'en ai marre. Je sais que tu es timide, tu vas tomber par terre, tu vas t'envoler, tu vas vomir ta vie, tu vas vomir ta mère, ton grand-père, il m'a dit, Mac, Neloueldik, saloperie. Mais aujourd'hui, j'en ai marre, tu me dis tout. D'autant plus que simple vérification, je pense exactement la même chose. Alors, s'il te plaît, je t'en demande pas trop, dis-moi simplement deux mots et ça me suffit. J'attends. The bonbon. Il a le beau les bonbons. Il a le Weldick toi aussi. Et tout d'un coup, l'amour, la rage, le printemps et la folie. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Elle a vu une entrée d'immeuble. Elle saute sur Mohamed. Elle l'attrape par la veste. Elle le tire de toutes ses forces. Elle le fait rentrer à l'intérieur de l'immeuble. Elle lui colle le dos contre les boîtes aux lettres. Elle lui dit, Mohamed, je t'aime. Et lui, il la regarde comme ça. Il lui dit, moi aussi, murmura-t-il. Mon copain Mohamed de Suisse, lui, il faut bien suivre, parce qu'avec tous les Mohamed qu'il y a, lui, avec l'amour là-bas en Suisse, avec la Suissesse, petit à petit, il commençait à devenir beau et magnifique. Il commençait à bien s'habiller, à bien manger, les joues rouges, tout ça, il était heureux. Et même dans sa tête, le bonheur a refoulé de son cerveau toutes les mauvaises choses, là, l'angoisse, les ignominies, les frustrations, les imbroglios, tous les nœuds, là, avec les ordures, là, qu'il a ramené d'Alger, la voirie municipale, là. Tout ça a été refoulé vers le fond de son cerveau, vers son inconscient, à peu près ici. Ça, c'est les archéologues algériens qui ont découvert l'inconscient. Il est là. Et toutes ces mauvaises choses sont allées se nicher dans les recoins de son inconscient. Et ses nerfs se sont calmés, ils se sont affinés, chacun a retrouvé sa place. Parce que nous, ce n'est pas des nerfs qu'on a, c'est des câbles. Nous sommes câblés. Nous sommes câblés sur des réseaux de chaînes à problème. Et toute la journée, on zappe d'un problème à un autre. Un jour, ils ont décidé de se marier. La fille, elle est allée voir son papa. Elle lui dit, oh papa, oh, tu sais, j'ai rencontré un garçon magnifique et je l'aime, papa, tu sais. Oh, tu sais, on va se marier, je vais l'épouser, papa. Oh, si tu vois, il est beau, il est magnifique, tu sais, il est comme ça, comme ça, comme ça. Il est bronzé en plein hiver. Et en plus de ça, il met un truc ici, ça s'appelle la schéma. La chic, ça sent bon. Eh ben, c'est bien, ma fille, c'est bien. Et comment s'appelle l'hurluberlu? Je veux dire le relu, excuse-moi. Il s'appelle Mouh. Ils l'ont emmené à l'hôpital et ils lui ont enlevé le H qui s'est accroché ici. Parce que la lettre H en arabe s'écrit comme ça, comme un hameçon. Alors, ils l'ont déhahifié. Elle est revenue à la maison. Il s'appelle Mohamed. Quoi? Mohamed? Jamais de la vie, ma fille, jamais. Épouser un musulman, ce n'est pas catholique. Mais papa, j'ai dit.
Mais enfin, eu égard à ton âge, 49 ans, je veux bien accepter qu'il t'épouse, mais à une seule condition, qu'il devienne chrétien. La fille, elle est partie voir Mohamed. Oh, Mohamed. Oh, tu sais, mon papa, il veut bien que tu m'épouses, mais à condition que tu deviennes chrétien. Et voilà les problèmes. Hein, Bdaou, les problèmes. Moi, je vais devenir chrétien, moi. Hop, hop, attention. Hop. Ah, tu touches, tu touches. Tu touches tout. Mais ça, Yarham Babak, tu touches pas. Moi, je vais trahir ma religion, je vais trahir Allah, Mohamed Rasulullah. Il allait dire jamais de la vie. Mais tout d'un coup, il a reçu une image satellite venue d'Alger dans son cerveau. Et il a revu Alger. Et il a vu tous les quartiers d'Alger défiler devant ses yeux. Bajarrah, El Harraj, El Harrouj, le triangle des H. Et il a vu tous les murs d'Alger, les hêtres d'Alger défiler devant ses yeux, avec ses copains qui sont toujours là, appuyés au mur. Saha Farid, tu n'as pas changé de présentation, bimak, bouge un peu. Quand tu as l'habitude d'être collé là-bas, il ne te laisse jamais partir. Au moment de partir, avec le H, le crochet là de H, il t'attrape ici. Toi, tu veux partir et le mur, il te dit, où tu vas, où tu vas? Où tu vas, Jbimak, où tu vas? Mais tu es bien ici, avec Marabba Bintana, Jbimak. Mais attends, je vais faire un tour et je reviens. Mais tu vas perdre ta place. Et Mohamed a revu tous les problèmes d'Alger. Le ennui. Les problèmes de chômage, la chouma, les problèmes de logement, mais surtout, surtout, les problèmes les plus durs, les plus terribles, les plus douloureux, c'est les problèmes sexuels qui, chez nous en Algérie, sont insolubles, même dans l'eau. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Et là, il se retourne vers la fille et lui dit, oui, j'accepte. Mais je plaisantais tout à l'heure, tu m'as cru. Qu'est-ce que c'est chrétien? Qu'est-ce que c'est chrétien? J'ai déjà fait pire que ça. Déjà à 5 ans, j'étais bouddhiste. Alors, il a accepté de devenir chrétien. La semaine d'après, il avait rendez-vous à la cathédrale de Genève à 9 h du matin pour son baptême. Le jour dit, accompagné de sa future femme et de sa future belle-famille, ils se sont rendus à la cathédrale. Juste avant de rentrer, Mohamed, il a enlevé ses chaussures. Attention les chaussures, je reviens. Hein. T'l'abouna b'subbat antna ghir wahed déjà. Il est rentré à l'intérieur de la cathédrale. Ils l'ont placé à côté du bassin rempli d'eau bénite. Et il s'est mis à côté, toute la famille à côté. Il y avait les cloches, l'orgue, les chœurs. Et à un moment donné après, le curé de la cathédrale est descendu de là-haut, de son tabernacle. Enfin, je ne sais pas, à peu près, je ne sais pas. J'ai dit ça au hasard. Un jour, vous allez faire un sketch sur les musulmans, vous allez voir si c'est facile. Alors donc il est descendu le curé et le curé il est venu accompagner des enfants là qui font la fumée. Et le curé s'est dirigé vers Mohamed. Au nom du Père, au nom du Fils. Mohamed lui a dit le Fils. Ils m'ont suivi jusqu'ici. Et du Saint-Esprit, Amen. In nomine Patres Dominum Sanctus Spiritus. In nomine Patres Dominum Sanctus Spiritus. Et Mohamed lui a dit dans sa tête, Inch'Allah, il t'écrase le bus. Et tu attrapes le typhus.
Et tu t'assois sur un cactus. Ah, poilus. Ya, oulid la haramus. Ya, imma, imma, maman, qu'est-ce que j'ai fait? Ya, imma, imma, maman, j'ai trahi ma religion. J'ai trahi Allah, j'ai trahi Mohamed Rasulallah. Ah, imma, imma, le jour où Azraïni va m'attraper. Ya, imma, le jour où Azraïni va m'attraper. Je le connais, Azraïni, n'arfo, je le connais. Oh Allah, il va pas me lâcher. Oh Allah, il va m'enlever ma mère, n'hili, imma, n'hili. N'arfo, n'arfo. Le curé lui a demandé de se mettre à genoux. Mohamed s'est mis à genoux. Et tout d'un coup, le froid de l'église, les chœurs, l'orgue, la prière du curé, les petits anges qui voltaient par-ci, par-là, une vieille peur de 15 siècles lui est remontée le long du dos comme une araignée. Mais surtout, ce qui l'a impressionné le plus, c'était la statue de Jésus-Christ qui était juste en face de lui, en haut sur le mur, et qui la regardait. Ah, ya immaka. Ah, ya wahd al-haloufa. Lui dit-il en cananéen. C'est un mariage blanc, hein? Zouad jamlal, hein? Attends, attends, tu vas voir quand je vais t'attraper, qu'est-ce que je te réserve. Attends, tu vas voir les feux de la gêne. Mais Jésus, tu sais bien que c'est la misère qui m'a amené là. Et toi, tu sais ce que c'est que la misère. Si toi, tu ne me comprends pas, qui va me comprendre? Après tout, toi aussi, tu étais un ex-hétiste. À Jérusalem, j'ai vu les photos. Allez, sois cool, ne me laisse pas couler. هيا عزيزو ضربنا ما شفتنيش هيا خلينا نشوفو هيا عزيزو هيا عزيزو هيا سيدنا عيسى هيا عزيزو هيا خلينا هيا 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 سي توا كي ا ديك نو سوم توس دي فرار هيا ابليك شوي هيا ديتون توا ان بو توي لا تو دان كو لا ستاتو دو جيسو كري ا سوري ال لو ا في ان كلان دوي. Elle lui a dit, normalement, c'est pas réglementaire. Tu n'es pas dans ma circonscription. Mais je vais faire une exception. Vas-y, je te couvre. Le curé est venu, il a posé sa main sur la tête de Mohamed et les cheveux de Mohamed l'ont piqué à la main ici. Mais c'est pas des cheveux qu'il a. C'est des clous qu'il a. Ah, ces Arabes, c'est comme des oursins. Ils piquent de partout. Mais enfin, ça fait toujours un chrétien de plus. Alors il lui a attrapé quand même la tête. Il lui a plongé la tête 7 fois dans le bassin d'eau bénite. Et 7 fois, il a ressorti. Une fois même, il est resté 5 minutes dedans. In nomine patres Dominum. La 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 la. Et Mohamed, il lui a dit dans sa tête, hey, 35 ans en apnée en Algérie. C'est pas l'eau bénite qui va me couler, hein. Tu peux lire toute la Bible si tu veux, je t'attends.
Alors, cette fois, il lui a plongé la tête dans le bassin d'eau bénite, et cette fois, il la ressortait, et à chaque fois, il lui disait « Tu rentres, Mohamed, et tu sors, Jean-Pierre, Amen. Tu rentres, Mohamed, et tu sors, Jean-Pierre, Amen. Alléluia. » 999 anges sont sortis du bassin d'eau bénite. Ils sont montés au septième ciel avec le dossier de Mohamed dans les bras. 12 photos, récépissé de la carte de résidence. 3000 dinars algériens. Ça, c'est pour le bakchich. Et quand ils sont arrivés là-haut, les anges, ils ont placé le dossier de Mohamed dans le rayon des nouveaux convertis. Et Mohamed est devenu chrétien. Il a épousé la fille. Il a fait ses papiers en Suisse. Le vendredi qui est venu juste après son mariage, sa femme lui a dit « Jean-Pierre, un mec ?»« Ah, quand même !» Jean-Pierre, tu sais qu'aujourd'hui nous sommes vendredi. Nous sommes vendredi saint. Et tu sais que chez nous les chrétiens, le vendredi saint, on ne mange pas de viande rouge. On ne mange que du poisson. C'est une règle religieuse. C'est comme chez vous en Algérie, comme tu me l'as raconté, pendant le mois de Ramadan, vous ne mangez qu'en cachette. C'est une règle religieuse. Alors, s'il te plaît, tu vas aller au marché nous acheter un beau gros poisson pour notre premier vendredi saint. Mohamed lui a signé. Il est parti au marché acheter le poisson. Et en arrivant là-bas... Oh! Kamel! Kamel! C'est son meilleur copain de Babeloued, il est là! Dans le marché à Genève, c'est incroyable! C'est le premier miracle chrétien! Quelle surprise, Nadir! Moi, ça croit, ça va, Nadir, ça va, Julien! Nadir, c'est un plaisir, Nadir, c'est quoi ça croit? Ah oui, vous savez comment on est, nous, hein? Dès qu'on se voit pas 6 mois, c'est la bagarre générale! Ah, bah, qu'est-ce que tu veux, Nadir? Qu'est-ce que tu veux, Nadir? Viens ici, Nadir, quand on a le Wolf, quelle surprise, Nadir! Ah, bah, que tu m'as manqué, Nadir! Mais qu'est-ce que tu fais, Nadir Wolf? Ah, moi, j'arrive pas à croire mes yeux, Nadir. Je t'aime, Yarab, que j'étais. Ah. Ah. Tu téléphones pas. Tu n'écris pas. Tu donnes pas de nouvelles. Une Nadir. Et la famille, ça va jouir. Les enfants vont bien. Tu passes un grand bonjour à ton papa. Rah. Nous avons un déficit d'amour. Mais un excédent d'affection. Mohamed et Kamel sont allés dans un café, ils sont restés là toute la journée, à se raconter les nouvelles du pays, à parler de leur enfance, de leur adolescence. Babeloued, ils se rappelaient tout le quartier, Padovani, Rocher Carré, La Bazeta, Charlemagne, Saint-Augier. Ils se rappellent des nouvelles des copains, des copines. Non, les copines, il n'y en a pas ma cage. Le papa et la maman et tout ça. Et à 9h30 du soir, ils sont sortis du café. Dès qu'ils sont sortis, Mohamed... La houta. J'ai oublié la houta. Aïe, la houta, ou aïe, mal, va me jeter dehors. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? En une semaine, j'ai trahi 2 religions. Il a cherché dans tout le quartier pour essayer de trouver au moins une boîte de sardines. Mais tout était fermé. Et il est rentré chez lui dans l'angoisse de se faire jeter. Hikmatul Kunta. La Kunta Kinte. Il est rentré chez lui et en passant dans une ruelle qu'il ne connaissait pas d'habitude, qu'est-ce qu'il voit? Une petite boucherie, épicerie, avec des crochets sortis comme ça dehors sur le trottoir. Et il y avait des poulets suspendus aux crochets. Et Mohamed s'est arrêté. Un poulet. Et si je lui ai acheté un poulet? En plus, les poulets, là, c'est des poulets suisses.
Ils sont parfaits, ils sont tout ronds, tout blancs. Il n'y a pas un poil en plus. On ne dirait pas qu'ils sortent d'un œuf. On dirait qu'ils sortent d'une usine, dirait. C'est pas comme les poulets algériens, donc les moustaches, leur... L'angoisse, le dégoûtage. La malnutrition, les problèmes psychologiques. Les élections truquées, le code de la famille. Et dans la rue, il n'y a jamais de poules, il n'y a que des poulets. Alors Mohamed, j'ai dit, et si je lui ai acheté un poulet? Oui, 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 je sais, un poulet, ce n'est pas du poisson, mais ce n'est pas de la viande rouge. D'ailleurs, un poulet, c'est plus proche du poisson qu'un bœuf. Ben oui, sa chair, elle est blanche comme celle du poisson. Oh, ça doit être la même famille, tout ça. D'ailleurs, les ailes, là, les ailes, j'ai jamais vu de ma vie un poulet voler. Ça doit être des nageoires qui ont été ratées dans l'évolution. D'ailleurs, le grand biologiste kabyle, Darwin, il en a parlé. Et si je lui ai acheté un poulet, je lui coupe le cou, je lui enlève les pattes, je lui enlève la kakoua, la kaboura, je vais lui mettre les épices de chez nous, là, les épices nucléaires, la radioactive. Je vais le tchernobyliser un peu à l'intérieur. Même Jésus-Christ, tu lui montres, il va dire « Voilà, c'est du poisson ». Alors, il a fait exactement comme il a dit. Il est rentré chez lui avec le poulet maquillé. « Tintin, chérie, regarde, je t'ai acheté du poisson. » Et sa femme, dès qu'elle a vu ça, « Je t'ai envoyé m'acheter du poulet, du poisson, du poulet, du poulet. » Elle lui a fait une crise mystique. Elle est tombée sur le dos et elle hurlait « Je veux du poisson, je veux du poisson. » Mohamed, quand il a vu ça, tout ça pour ça, tout d'un coup, toutes les dégoûtations, les inomines, les angoisses, les machins, les nerfs, la violence, les machins, les ordures là, qu'il y avait là, dans son inconscient en bas, tout ça, ils ont pris l'ascenseur. Ils lui sont remontés à la tête. Chasser un Algérien, il revient en naturel. Et là, il la regarde comme ça, il lui dit, tu veux du poisson? Tu veux du poisson? Eh ben, tu auras du poisson. Il avait le poulet à la main, il est rentré dans la salle de bain, il a rempli un seau d'eau, il est revenu, il l'a posé à côté d'elle. Tu rentres poulet et tu sors poisson, amen. Tu rentres poulet, tu sors poisson, amen. Alléluia. Vous en voulez encore? Oui! D'accord. La censure, elle a fait des ravages dans notre télévision algérienne unique et nationale. Notre chère chaîne nationale, comme disait la pub, la chaîne qui vous enchaîne. Il y a trois formes de censure à la télévision algérienne. Il y a la censure politique, la censure morale et l'auto-censure. Celle-là, on ne va pas en parler, c'est privé. La censure politique, c'est très simple. À chaque fois qu'il y a des événements politiques graves dans le pays, à la télévision, on nous passe des documentaires sur les animaux. Et comme il y a beaucoup de problèmes politiques graves, Jacques-Yves Cousteau est devenu la star nationale. Toute la journée, les poissons. Ce n'est pas une télévision, c'est un aquarium. Pendant les événements du 5 octobre 88, 600 morts, toute la journée dans la rue, au secours, maman. Et les gens, ils courent chez eux. Ils se mettent devant la télé pour voir les infos, pour savoir ce qui se passe. Et toute la journée et la nuit à la télé,
ce poisson qui vit au fond des eaux et qui se nourrit de plancton. Les Algériens sont devenus tous des spécialistes en plancton. Mais comme ils sont malins, ils sont intelligents, ils ont fini par décoder les animaux. Je me souviens, pour l'exemple, hein, à la fin des années 70, un jour, on nous a passé un documentaire sur un troupeau d'éléphants. Ils broutaient de l'herbe dans la brousse, et tout d'un coup, il y a un des éléphants qui se détache du troupeau, et il s'en va vers le cimetière des éléphants. Il s'affaisse et il meurt le lendemain dans les rues d'Alger. Boumediene Mora. Je l'ai vu aux informations hier. Informations. La télévision algérienne, c'est la seule télévision du monde où le bébé de show est fait avec de vrais animaux. Mais la censure qui a fait le plus de ravages, c'est la censure morale, et la principale victime de la censure morale, c'est les baisers dans les films. Mais jusqu'à une certaine époque, ils ne coupaient que les baisers de couples illégitimes. Si l'acteur et l'actrice ne sont pas mariés dans le film, voilà, tu la touches pas. Tu n'avais 4 mariés avant le tournage. Mais si par hasard, par exemple, un acteur, au début d'un film, promet à une actrice de l'épouser à la fin du film. Mais tu tiens tes promesses, hein? Si vraiment tu l'épouses à la fin du film, tu peux l'embrasser. Mais tant que tu n'es pas marié, un baiser léger, hein? Pas les baisers spéléologiques, là. Mais si l'acteur et l'actrice sont mariés dans le film, il n'y a pas de problème. Nous, on respecte les us et les coutumes des autres sociétés. Ils font comme ça chez eux, il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment que les acteurs prouvent qu'ils sont mariés. Mais j'ai dit qu'on aime Zouzadi. Non. Il faut qu'on le voit et tout ça. Je ne sais pas. Par exemple, Robert De Niro se dirige vers sa femme pour l'embrasser. En passant, il montre l'acte de mariage au censeur algérien. D'accord. Merci. Voilà, je ne vais pas exagérer, là c'est bon. Ce qui fait, nous, chaque fois qu'on voit un film à la télé, dès qu'un acteur et une actrice se rapprochent l'un vers l'autre pour s'embrasser, dès qu'ils arrivent comme ça, comme ils coupent le baiser, les acteurs ils font ping. Et ça fausse complètement la compréhension du film. Après, nous, on ne comprend plus rien. On se dit, qu'est-ce qui se passe? L'actrice, elle a fait comme ça parce que l'acteur, il a mangé une merguez pourrite? Et quand on voit un acteur au début d'un film embrasser une actrice, ça veut dire qu'il va l'épouser à la fin du film. Donc on connaît la fin, ils nous ont vendu la mèche. Allez, Nadine, allez, allez. Parce que chez nous, le suspense, c'est pas est-ce qu'il va la tuer, qui c'est qui va la tuer. Qui l'a tué, qui s'appelle foutre, non? C'est un problème entre eux, où je les connais, moi. Et il peut les tuer toutes s'il veut. Si ça l'amuse. Nous, le suspense, c'est est-ce qu'ils vont se marier à la fin du film? C'est comme Dallas. Dallas, 800 épisodes. Il est passé dans le monde entier. Eh bien, chez nous, comme ils ont coupé tous les baisers, toutes les scènes de rencontre entre les hommes et les femmes à la piscine, les femmes en petite tenue, etc., etc., eh bien, les acteurs de Dallas chez nous, ils font que travailler. 800 épisodes de boulot. Ils ont gardé que les horaires administratifs. Par exemple, vous voyez JR, c'est le héros de la série, Dallas. Il est là à son bureau, ça va bien.
Et à 6 heures, il a rendez-vous avec Sue Hélène, sa compagne. Et à 6 heures moins quart, il se lève, tout heureux. Il va rejoindre Sue Hélène et hop, il revient au travail. Il n'y a que la couleur de sa veste qui change. Des fois, il y a un jeune acteur magnifique comme ça. Il est dans sa voiture, une décapotable, 300 km à l'heure. Il a rendez-vous avec sa copine qui l'attend en petite tenue à 8 heures du soir. Ils l'ont coupé, on ne la voit pas, mais on le sait. On le sait à la vitesse de la voiture. Alors, dès qu'il arrive là-bas, il saute de sa voiture. Il monte 18 étages à pied, tellement il est heureux. Et quand il arrive là-bas, il sonne chez sa copine. Tintol, waouh, waouh, waouh. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe chez nous? Le type là qui coupe les films, qu'est-ce qu'il fait? La porte de la copine, elle est là. Il regarde la suite du feuilleton, il trouve une autre porte et il la colle ici. Ce qui fait que l'acteur, il est là, waouh, 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 la porte, elle s'ouvre, cher, il est au bureau. Dallas, en Algérie, c'est un documentaire sur la bureaucratie américaine. Alors, comment ça se passe concrètement? À la télé, il y a un bureau de la censure. La télé, le film, il passe, il y a un type là-bas avec des ciseaux. Généralement, c'est des tailleurs de la Casbah en retraite. Et le jour de son recrutement, on lui dit « Attention, tu es le gardien du temple moral. Fais attention à ne pas laisser passer un baiser qui va déstabiliser la nation. Surtout, tu fais attention aux films français. Ils nous donnent trop de travail, les Français. Dans leurs films, ils font que manger et s'embarrasser. Et des fois, ils mangent même pas. Alors, dès que tu vois un acteur français assis à table en train de manger avec une actrice, dès qu'ils arrivent au dessert, tu commences à te préparer. Et si jamais au dessert, l'acteur prend une cerise, il la met dans sa bouche, et de sa bouche, il la passe dans la bouche de sa copine, tac, tac! Et tu récupères la cerise. Si par hasard, dans un film, tu vois un acteur et une actrice se promener sur un trottoir, ils font rien de mal, un trottoir de Paris ou de New York, ils font rien de mal, tu les laisses promener, c'est dans le scénario, il n'y a pas de problème. Et si tout d'un coup, tu les vois bifurquer dans une ruelle comme ça, et ils passent derrière un bâtiment. Et tu les vois plus. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire derrière un bâtiment? Il y a de la place partout. Allez, pourquoi il va derrière le bâtiment? Et tu te doutes de quelque chose. Il y a 30 millions d'Algériens qui doutent quelque chose. Il y en a même qui regardent derrière la télé. Alors, si tu doutes, eh ben, tu coupes le bâtiment et tu les jettes, eux et le bâtiment avec. Quand même, je dégueule. Et dans les familles, comment ça se passe? Généralement, c'est le week-end que toute la famille voit le film ensemble parce que le père de famille ne travaille pas, donc il voit le film et c'est lui qui donne le visa familial cinématographique. Et donc, le week-end, c'est lui qui choisit si le film est visible ou pas. Il va au café le premier jour du week-end, le jeudi. Et oui, parce que chez nous, c'est le jeudi, vendredi, week-end. Même le week-end, on n'est pas comme tout le monde. Voilà. Dans le monde entier, c'est samedi, dimanche, et nous, c'est jeudi, vendredi. Et comme ça, pour rien, comme ça. Ça nous plaît, comme les... C'est le nerf. Vous, c'est samedi, dimanche. Eh ben, nous, c'est jeudi, vendredi. Il y a trois pays au monde qui ont le jeudi, vendredi, week-end. C'est nous, l'Arabie Saoudite et la Libye. Un de ces jours, si on a un problème avec eux, eh ben, nous, le week-end, c'est lundi, mardi. Alors, donc, le premier jour du week-end, le jeudi matin, le père de famille va au café, il achète le journal, il regarde le programme du soir pour voir si le film du soir est visible familialement. 20h30, La vengeance dans le désert, avec John Wayne, Rita Hayworth. On peut dire que c'est un film algérien, ça.
La vengeance dans le désert, c'est algérien. La vengeance, on sait ce que c'est. Et le désert, c'est nous qui l'avons inventé, alors il n'y a pas de problème. Alors le soir, il donne son visa. Et le soir, toute la famille est là devant la télé. Et la famille chez nous, c'est 60 personnes. Les cousins, les voisins. Des fois, il y en a certains, ils viennent, ils rentrent, ils mangent, ils voient le film, ils partent et personne ne les connaît. Mais c'est la famille. Et comme ils savent si bien faire chez nous, les petites tables, les maïdas dans le salon et tout ça, avec le jasmin, les petits gâteaux, les boissons, le thé, le café, le Coca-Cola, la gazouze. Alors, le film, la soirée commence à 8h. De 20h à 20h30, c'est le bulletin de désinformation. Il y a tous les animaux qui passent. À 20h30, c'est le bulletin météo, mais celui-là, il ne dure que 2 secondes. Demain, 48 degrés. Et le film commence. La vengeance dans le désert. John Wayne, Rita Hayworth. Et après, c'est l'écriture. L'écriture. 10 minutes d'écriture. Les Algériens détestent l'écriture. Où je les connais, moi? Où je les connais? Normalement, c'est ça qu'il faut couper, c'est pas les baisers, Nadina. Alors, le générique, il s'en va, et le film commence. Et on voit le désert, les dunes, les palmiers, le soleil qui plombe les dunes. Et on voit la réverbération du soleil. Et les Algériens, tellement ils s'identifient au film, dès qu'ils voient le désert à date, « Rah, kana wedda, manis mada !» Un tout petit cavalier, tout petit là-bas, au lointain, vers la dernière dune là-bas, à côté du tube cathodique au fond. Un petit cavalier tout noir apparaît. Tic, 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 ton, ton. Je suis sûr que c'est John Wayne. Eh oui, c'est lui qui joue le premier rôle, donc c'est lui qui vient le premier. Le cavalier avant, ton, ton, tic, tic, tic. Il s'approche et on le reconnaît effectivement, c'est John Wayne. Il arrive. Il descend de cheval. Il parle en kabyle à son cheval. Il n'y a que John Wayne qui peut parler le kabyle à la télé algérienne, de toute façon. La caméra se retourne, panoramique, de l'autre côté, une autre dune, un tout petit cavalier, un deuxième cavalier, tout noir, sort derrière une dune et il se rapproche. Ah, baba. Déjà, il va y avoir un mort. Ça, c'est un film. Aïe, aïe, la vieille, viens. Aïe, assieds-toi. Ne te casse pas derrière les doigts, aïe, ça mort. Aïe. Mais n'aie pas peur, ça, c'est un film de mort, c'est pas un film d'amour, il n'y a rien à craindre. C'est un film algérien, il n'y a que des morts dedans, il n'y a pas de problème, aïe, assieds-toi, voilà. Deuxième cavalier approche. Tu vas voir celui-là, John Wayne, il va le tuer tout de suite. John Wayne, il est plus fort que Boumediene. Deuxième cavalier approche. Et plus le deuxième cavalier approche, plus le silence national s'installe. Qu'est-ce qui s'y Une femme! Mais qu'est-ce qu'elle vient faire une femme dans le désert, Nadine? Et toi, tu n'as pas une famille, les enfants, tu laves un peu, tu donnes le biberon, tu donnes à manger, au lieu de traîner dans le sable. Et en plus, il y a John Wayne qui est derrière le rocher, il va t'attraper une helikima, il va t'enlever ta mère, il va t'enlever. Ah ouais, c'est un film fatigué, hein? Allez, la vieille. Je crois que c'est le moment d'aller réchauffer le thé, va. Va réchauffer le thé, je te dis. Allez, les filles, les femmes, là, accompagnez-la. Elle a besoin d'aide, allez. Oui, 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 c'est ça, vous la réchauffez jusqu'à ce qu'il soit froid, voilà. Et vous le buvez là-bas. Deuxième cavalier approche, c'est Rita Hayworth. Elle arrive. Elle arrive. Elle descend de cheval. John Wayne, il a entendu le cheval.
Mais je la connais, celle-là. On joue dans le même film. John Wayne sourit. Rita Hayworth sourit. Et toute l'Algérie ne sourit plus. L'acteur avance vers l'actrice. L'actrice avance vers l'acteur. L'acteur avance, l'actrice avance. Plus il s'avance, plus tous les muscles d'Algérie se crispent. Il y en a un qui se lève comme ça. Allez, bonne nuit, moi je vais aller dormir. Je travaille demain matin. L'acteur s'avance, l'actrice s'avance. Plus il s'avance, plus la moitié des téléspectateurs décrochent leur regard de la télé et commencent à regarder les ampoules. C'est un 60 watts, hein? L'acteur avance, l'actrice avance. L'acteur avance, l'actrice avance. Et le type à la télé, là, qui a les ciseaux, il est là. Déjà, ils veulent me faire travailler au début du film. Ya ajaba. Mais voilà, tu la touches pas. Tu connais pas mon mouais. Voilà, dans 2 secondes, tu vas te retrouver dans un saloon et tu vas rien comprendre. L'acteur s'avance, l'actrice s'avance. Il y en a un, il a pris un verre de thé. Il est boule Coca-Cola. L'acteur avance, l'actrice avance. L'acteur avance, l'actrice avance. Il y en a un, il a un cigare à la main. Il l'éteint sur le bras de son père. Et son père n'a rien remarqué. L'acteur avance, l'actrice avance, et juste au moment où ils sont face à face, prêts à s'embrasser, dans tout le pays, à ce moment-là, on entend, à la même seconde, le bruit de 15 millions de gifles à la fois. Paf! Allez, va faire tes devoirs, toi, ya! Mais tu travailles pas en ce moment, hein? J'ai remarqué. Mais papa, je suis premier de la classe. Eh ben, je veux que tu sois mieux que premier! Qu'est-ce qu'il y a avant premier? Avant 1? 0? Eh ben, tu seras un 0. Et toi, va me chercher un verre d'eau. Mais papa, on nous a coupé l'eau. Eh ben, tu restes là-bas jusqu'à ce que l'eau revienne. L'acteur va embrasser l'actrice. Le type, il dégaine ses ciseaux. Stac, stac. Il circoncit le film. Et le film, il devient halal. Depuis que la parabole est arrivée, notre chère chaîne unique et nationale, elle a fait des progrès. Ben oui, avec le frottement des cultures, la présence des autres chaînes, la concurrence, elle a été obligée de se mettre à niveau. Vous ne me croirez pas, chose absolument inimaginable il y a quelques années. Eh ben, j'ai vu il y a quelques jours de ça, incroyable mais vrai, on nous a passé un documentaire sur une clinique, une maternité avec des bébés tout nus. C'est un bon début, non? C'est magnifique, c'est extraordinaire. Vive l'Algérie!